Coucou tout le monde, voici les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour faire des pommes gourmandes. Donc j'épluche les pommes, j'enlève les pépins centrales et à l'aide d'une verrine, je vais venir faire des ronds au milieu de la pomme. J'enlève le surplus. Je récupère les grands bouts et je les mets en rond et le reste je m'en servirai pour un milkshake. Je mets ma casserole d'eau sur le feu et je vais mettre mon verre pour faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Pendant ce temps, je vais mettre mes restes de pommes avec une banane, un kiwi et du lait entier. Mon chocolat noir est fondu. Nous allons pouvoir passer à la décoration de nos pommes. Le tremper dans le chocolat noir et ensuite on a le choix entre la noix de coco, des petites perles sucrées ou du praliné. On le laissera ensuite reposer sur du papier sulfurisé au frigo pour que le glaçage au chocolat soit bien craquant. Voici une petite activité aussi à faire pour les enfants qui leur plaira et pourront être décorés comme ils le souhaitent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en barre de description. À bientôt !